On commence donc par Flintlock 2013 en Mauritanie. Vous savez, ce sont ces manœuvres militaires qui sont entrées aujourd'hui dans leur troisième journée consécutive des manœuvres qui se déroulent dans les régions est du pays, à savoir les Dohod et la Saba. Durée de ces manœuvres, 3 semaines, et c'est un compte-rendu d'Abdelrahman Hamedan. Pour la troisième journée consécutive, l'exercice militaire dénommé Flintlock 2013 se poursuit dans de bonnes conditions. L'exercice qui prend lieu sur les wilayas de Dohod et de la Saba a pour objectif le renforcement des capacités opérationnelles des forces participantes en matière de la lutte contre les menaces non conventionnelles. Les autorités publiques avaient mobilisé en temps réel tous les moyens humains et matériels nécessaires à la formalisation de l'architecture générale de l'exercice et du mélange sécuritaire qui l'induit. L'événement auquel participent des unités et instructeurs venant de 20 pays d'Afrique et d'Occident aura des retombées importantes si les forces mauritaniennes, en termes de retour d'expérience, de formation et de renforcement des capacités opérationnelles dans un environnement multinational et face à des menaces mutantes. L'exercice Flintlock est organisé annuellement et de manière tournante dans l'un des pays de la bande sahélo-saharienne.